Donc nous avons réfléchi à la façon de vous présenter ce matin, voilà, de façon assez libre et de façon assez la plus créative possible, hein, ce réveil créatif, avec cette idée de couleur, cette idée de couleur au cœur du projet. Donc nous avons décidé de vous raconter trois histoires. La première histoire, elle se passe aux côtés de nos partenaires, nos clients industriels. C'est une histoire autour de la couleur locale, c'est une histoire autour du paysage, de la fiction paysagère et du récit chromatique. La deuxième histoire que nous avons souhaité vous conter, c'est une histoire de pédagogie de la couleur et du matériau. C'est une histoire autour de la scénographie, autour de l'accueil des habitants à une sensibilisation au matériau local. Et la troisième histoire chromatique que nous allons vous conter, c'est une histoire territoriale, une histoire d'architecture. Ça se passe dans Toulouse et c'est l'ADN de notre activité, mais aussi on a une affection particulière pour ce type de projet. C'est un projet de charte chromatique et la charte chromatique de la ville de Toulouse. Donc on est en plein dedans. Donc on va démarrer cette histoire de couleurs. Donc la couleur, comme vous avez compris, nous habite quotidiennement puisqu'on travaille depuis 15 ans en tant qu'experte en couleurs dans notre agence Nakara. On est toutes là aujourd'hui pour vous montrer notre grande motivation à sensibiliser le public à notre métier. Et donc cette histoire, elle s'est passée aux côtés d'une entreprise qui s'appelle Miral, qui est une entreprise située à proximité de Lyon et qui vend des revêtements d'aluminium, dans le cadre notamment d'isolation thermique par l'extérieur, et qui avait besoin de réinventer sa gamme de couleurs. Donc pour ce faire, nous avons cherché à identifier finalement les polychromies locales dans la France entière. Nous sommes allés glaner des pierres de carrière, nous sommes allés glaner des informations sur ce qu'on appelle la tendance en architecture, mais plutôt à l'attention des particuliers ou des petits collectifs, hein, puisque là, on était sur un public, une cible, si vous voulez, client qui était celle-ci. Et nous avons, à partir de cette expertise, créé un carnet de voyage, qui compose avec toutes ces informations que nous avons collectées. Donc ces informations, c'est vraiment notre archéologie chromatique. C'est un terme que l'on utilise fréquemment quand on fait des recherches en couleurs. Nous collectons, nous glanons des données, des informations, et nous créons des référencements de couleurs qui nous permettent d'être au plus juste pour pouvoir créer une gamme de couleurs. Ici, nous sommes sur la création d'une gamme de 24 couleurs qui sont susceptibles de s'adapter aux environnements bâtis, de s'intégrer le plus harmonieusement possible dans le paysage français. Vient ensuite la question du récit chromatique, c'est-à-dire comment on va sensibiliser les gens qui vont utiliser les couleurs de Miral pour les emmener finalement dans cet imaginaire paysager. Alors moi, je vais vous parler du carnet de voyage. L'idée du carnet de voyage, c'était de se dire, c'est l'histoire d'une collection, parce que quand on travaille pour un industriel, on peut se cantonner à l'histoire d'une gamme sans récit, mais à partir du moment où on donne un nom, à partir du moment où on classe les couleurs, à partir du moment où on régionalise aussi les couleurs, qu'on leur donne une appartenance à un territoire, il y a un récit qui commence à naître. Et il faut que ce récit soit accessible, il doit être savant. Donc le côté savant, il est directement lié à des matériaux qu'on a contretypés, qu'on a prélevés, mais il est aussi chargé de poétique, de poésie. Donc cette dimension à la fois scientifique et poétique, on l'a intégré dans une histoire de collection qui s'appelle Carnet de voyage. Donc la collection s'appelle Les Intemporels et elle parle de cette permanence des paysages à travers l'expression du minéral. Donc pour parler de ce carnet de voyage et de ce voyage, on se met dans les chaussures de quelqu'un qui traverse la France du nord au sud et d'est en ouest et va collecter des impressions.
Et ces impressions, en fait, il va en faire un récit. Il va y avoir 5 récits. Terre de lumière, terre d'oxyde, monts et bocages, méridien sud et méridien nord. Alors, je vous arrête une minute pour vous dire que finalement, la couleur ne peut pas s'exprimer sans mots, sans nom, sans poétique, sans littérature. Vous verrez qu'à la fin, on a une surprise, et la surprise porte déjà un nom. Donc, vous avez ces 5 univers, et donc je vais me permettre de vous en lire un. Un tout petit récit qui redit un petit peu l'expertise qu'il y a derrière la collection, mais qui connecte, en fin de compte, un certain nombre de nuances de cette collection, que vous voyez ici, à différents territoires de la France. Donc, méridien nord, extrait de voyage numéro 5, aux frontières du pays, au milieu des massifs. À l'extrémité septentrionale se trouve la pierre bleue, uniforme et compacte comme un marbre. Elle fonde les plus belles bâtisses et les monuments, s'associant à la brique rouge, parfois au tuffeau jaune. En lisière de côte, le granit émerge, riche de tonalités denses, parfois sombres. Il varie du gris au violet, en passant par le bleu. Il compose le paysage austère du bâti littoral. Au cœur des montagnes, les schistes répondent au granit gris et dialoguent avec les enduits teintés de sable alluvionnaire. La pierre est endurante et résiste au passage du temps et au climat rigoureux. Fin de la parenthèse et de l'expression de méridien nord. Et ensuite, on a voulu rentrer dans la couleur, faire des focus sur chaque couleur et montrer finalement le potentiel créatif, parce que c'est l'idée, on est sur un matériau contemporain et on veut l'attacher à un territoire, à une localité, mais on veut donner aussi, montrer en fait à celui qui va découvrir la couleur le potentiel expressif, créatif, inventif de la couleur. Donc on va encore écrire un nouveau récit focus sur une couleur. Donc vous verrez, c'est sur la table qui est juste à l'entrée. Vous pourrez découvrir les récits qui sont liés à 5 couleurs que nous avons choisies de mettre en lumière pour 2021-2022. Et voilà, nous enchaînons sur la deuxième thématique. Donc on est sur une nouvelle collection quelque part, mais on n'est plus du tout connecté à l'industrie. On est connecté au savoir-faire, ceux qui sont liés à la ville de Toulouse. C'est une ville de terre, et je pense que Xavier, tu as sans doute une sensibilité particulière à cette ville de terre. Donc quand on parle de terre cuite évidemment, mais aussi de terre crue. Et l'idée, en fait, de Toulouse au bout des doigts, c'était de revenir aux fondamentaux qui ont fait la ville, c'est-à-dire cette ville qui émerge littéralement de son lit d'argile. Cette exposition, on l'a réalisée pour l'atelier du patrimoine. Et l'idée, c'était de constituer une collection des matériaux patrimoniaux de la ville, donc la terre cuite, la terre crue, les mortiers, la terre, la chaux, les ciments, les enduits, les badigeons, les peintures, le bois, le métal. Donc on était vraiment sur un travail d'inventaire. Et donc c'est pour vous dire aussi que le métier de la couleur, il est lié à une forme d'archéologie et qu'on ne peut pas non plus, quand on travaille sur la ville, ou même quand on travaille sur les imaginaires, il faut toujours se dire qu'on travaille sur des savoir-faire, que derrière la couleur, il y a toujours l'épaisseur du matériau, l'épaisseur d'un savoir-faire, l'épaisseur d'une pratique. Donc c'est ça qu'on a entrevu quand on a travaillé sur cette exposition, parce qu'on a été chercher en fait, cette matériothèque de la ville de Toulouse qu'on pourrait aller gratter sur les murs, mais en fait, on voulait savoir où étaient encore cachés les savoir-faire. Donc, on a été à la briqueterie de Savès, on a été voir leur terrier, on a été voir donc un terrier, c'est là où on extrait la terre, c'est la carrière quelque part de terre, où on va creuser, extraire, et on voit cette couleur de terre qui n'est pas rouge, et donc, si vous avez en tête ce qu'est la terre crue, qu'on peut voir derrière les enduits de la plupart finalement des maisons de la vieille ville, on découvrira des couleurs blondes. Ce sont celles de la terre crue en adobe ou en pisé qui font l'expression aussi et la matérialité de la ville de Toulouse. Donc cette blondeur. Donc ça, c'est les ateliers d'Arezzo. Une des associations qu'on a été voir pour comprendre comment était faite cette adobe. Donc l'adobe, c'est le même format, ça peut être le même format que la brique foraine. La brique foraine, donc c'est la brique
typiquement toulousaine, qui fait 28 cm, je vous dis des bêtises, 42 par 28 par 5. Donc c'est une brique qui est très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle permet de bâtir haut et de bâtir tous les hôtels particuliers que vous voyez sans pierre. On n'a pas de pierre structurelle, elle tient parce que la brique est large, épaisse et s'empile. Et donc ça fait un bâtiment qui a cette espèce de résille, mais sans motif. Contrairement à la brique du Nord, où vous allez voir des motifs géométriques, ben la brique toulousaine, en fin de compte, vous voyez toute sa matérialité, mais il n'y a pas de motif, généralement, dans les maçonneries toulousaines. Donc c'est intéressant aussi de savoir que cette brique, on la taille. Et on la taille, alors encore une fois, ça nous raconte plein d'histoires, parce qu'on n'est pas sur un moulage, on arrive au moulage au 19e siècle, mais au départ, il y a des sculpteurs qui taillent la brique à Toulouse. C'est les pratiques qu'il y avait aussi durant l'Antiquité, et on taillait pour faire apparaître un pilastre, un ornement de façade. On montait la terre cuite comme ça, et puis on retaillait in situ la terre cuite pour qu'elle prenne forme, qu'elle prenne vie, qu'elle prenne motif. Et ensuite, on la colorait, on la badigeonnait avec différentes colorations de pigments, et ça donnait différentes nuances. Et moi, j'aime bien cette image, parce qu'elle vous dit juste la toute petite nuance qu'il y a sur 300 ans, 400 ans. Ça, c'est ce qu'on peut appeler un chaffre. Donc, c'est fait à partir d'une poudre de briques, sauf qu'il y en a une qui est ancienne et l'autre qui est récente. Donc, à votre gauche, c'est l'expression, c'est un chaffre. Donc, c'est une coloration, un jus qui a été fait à partir d'une poudre de briques ancienne récupérée sur des chantiers. Et celle-ci, elle est faite à partir d'une brique plus récente qui a été faite dans les règles de l'art. Et donc, vous voyez ce tout petit écart de nuance. Bah, c'est aussi ça, notre travail, c'est de voir cet écart-là. C'est tout petit, ce travail de la nuance. Et cet écart qui, finalement, se traduit en 300 ou 400 ans de savoir-faire, de mutation des savoir-faire. Et voici, enfin, donc, la mise en scène. Donc, c'était une mise en scène dans un petit espace contraint. Et donc, vous voyez la matériothèque qui accompagne tout un travail pédagogique sur la matérialité, sur les façades, les savoir-faire, les motifs. Dans Toulouse au bout des doigts, l'idée aussi, c'était de pouvoir toucher et d'inviter aussi les jeunes visiteurs à manipuler, toucher, avoir la liberté justement d'appréhender en direct finalement la matérialité de leur ville. Donc il y avait des échantillons intéressants comme des reproductions de moulages qu'il y a donc sur les oculus, sur les petites toulousaines que l'on connaît tous. Et donc ça, ce sont des ornements qui sont arrivés au 19e siècle par moulage. Donc c'était une révolution, c'est-à-dire qu'on a commencé à rendre les décors sériels, mais exactement comme les fonderies. Donc c'est ce qui fait le garde-corps, mais qui n'est plus en fer forgé, mais qui est en fonte, donc moulé, et donc on a une répétition de motifs. Et c'est ça aussi la richesse de Toulouse, c'est la grande diversité des ornements et des motifs, même sur des maisons de faubourg. On va passer au projet suivant. Donc là, en théorie, quand on regarde la ville de Toulouse, on la regarde différemment une fois qu'on s'est reconnecté à ce qui fait ses fondamentaux matériels. Et maintenant, nous présentons la charte et je laisse la parole à Xavier. Alors, le troisième grand récit que nous voulions vous conter, c'est le récit de la charte chromatique de la ville de Toulouse. On est complètement connecté finalement au projet précédent, mais ici, on est au plus près de la façade et l'objectif est qu'il y ait une possible utilisation, bien évidemment, par le grand public, par les architectes, par les pétitionnaires, par tous les acteurs de la ville qui vont ravaler leur façade et qui vont s'appuyer sur le guide pour pouvoir faire ce travail. Ce qui est fantastique dans ce travail, c'est le travail de terrain, puisque nous allons sur le terrain, nous opérons des contre-types. Alors un contre-type, qu'est-ce que c'est ? C'est un relevé de couleurs in situ qui est réalisé directement sur la façade à l'aide d'un nuancier normalisé. Et donc nous allons relever les couleurs présentes dans Toulouse, et notamment les couleurs les plus anciennes, les marques d'une histoire qui est sujette à s'effacer très rapidement et que l'on peut aussi perdre. Donc nous sommes partis
durant, on va dire, des semaines, en équipe structurée, deux par deux, pour réaliser les relevés de l'intégralité du grand cœur de ville de Toulouse. Ces relevés, ils se sont faits par la couleur, avec les nuanciers, sur les éléments de palette générale, c'est-à-dire les façades, les dominantes de façade, toute la matérialité minérale de la façade, mais aussi sur les éléments de détail, les volets, les portes, les ferronneries. Nous avons ensuite récupéré toutes les données collectées, c'est encore ici notre travail d'archéologie chromatique, et nous avons réalisé ce qu'on appelle des cartographies chromatiques. Donc ici, vous en avez un exemple, hein. C'est la synthèse chromatique de la cartographie du cœur de ville pour la palette générale, c'est-à-dire les dominantes de façade, la partie minérale des façades, les encadrements, les enduits, les briques, bien évidemment. Et chaque petit carré correspond à un relevé de couleur. Donc vous pouvez voir qu'il y a eu, voilà, il y en a eu un certain nombre. Alors on n'est pas sur une vision topographique sur cette cartographie, on est simplement sur une vision de classification par domaine chromatique. Donc ici, on peut voir la grande présence des orangés, mais également une présence remarquable des tons sable, des tons autour de la grande palette des jaunes, on va dire, hein, des sables. On va voir qu'on a des briques de sable aussi hein, qui sont présentes dans Toulouse. Toutes les pierres, les joints également de façade. Les soubassements, etc. Voilà. Donc on a cette synthèse à partir de la cartographie et on fait le même travail avec les éléments de détail. Donc ici, c'est presque tout un univers, vous voyez, ça bouge, voilà, c'est quelque chose d'assez beau à voir. Et ici, ce sont les cartographies des éléments ponctuels, à savoir les menuiseries, les ferronneries, les portes, les volets, etc. Avec, très rapidement, pour vous expliquer un peu, il y a une très grande dominante de bleu. On voit dans le bas de la cartographie, qui à l'époque était due à la charte chromatique qui était en place à l'époque et pour lequel on avait le droit en ponctuel d'utiliser qu'une gamme de bleu qui allait du bleu au vert. Et donc, cette palette qui a duré à peu près une dizaine d'années, oui. Hein, qui a été appliquée pendant une dizaine d'années, a beaucoup influé finalement sur le paysage de Toulouse. Donc, on va passer sur la suite. Hein. Nous, notre rôle, ça a été... Vous avez en fond d'écran, on peut le voir rapidement, hein, des recherches que nous avons faites aussi sur les archives, notamment au musée du Vieux-Toulouse. Nous sommes allés collecter des données de peintres naturalistes, des informations qui nous sont précieuses pour comprendre aussi comment, au fil des époques, la ville de Toulouse pouvait se configurer en termes de coloration. Et après, j'ai juste quelque chose à rajouter, parce qu'on est là pour parler de nos passions. Et moi, j'aime beaucoup vous montrer ça, parce que, là, vous avez une capture, on va dire, des représentations plus médiévales de la ville. Et vous voyez que parfois, on travaille en noir et blanc. Étonnant. Donc, en fait, on fait une retranscription en niveau de clarté. Juste un niveau de clarté. Donc, les deux couleurs que vous voyez ensemble, finalement, c'est une interprétation du rapport de clarté en noir et blanc. Une petite gymnastique. Et on voit que le bâti médiéval s'exprime en bichromie. Alors que quand on monte progressivement dans nos époques plus récentes, eh bien, on raffine, on a plus de nuances et les harmonies de couleurs deviennent de plus en plus riches. Et là, vous avez le bâti haussmannien, le bâti plus bourgeois, où on a parfois 6, 8 couleurs à l'intérieur d'une harmonie. Ça aussi, c'est intéressant parce que du coup, une charte chromatique ou une étude de terrain, c'est aussi une étude de style, une étude des époques, une étude des savoir-faire, et en fin de compte, on voit que ça génère aussi une sophistication ou pas des harmonies. On va essayer d'aller plus vite, je pense qu'il ne doit pas nous rester beaucoup de temps. Donc, ce travail donc, est un gros travail de diagnostic. Là, on a à peu près un an de travail hein, sur un projet comme celui-là. Il donne lieu à des guides. Donc, les guides, vous pouvez les voir sur la table, vous avez pu les feuilleter. Des guides et un nuancier. Donc, pour information, si vous êtes passionné par ce travail, vous pouvez aller au Carme et le guide coûte 1 euro. Donc, il y en a 7 puisque nous travaillons par âge des façades et par typologie du bâti. Donc, quand on intervient, quand on décide de réhabiliter, de rénover telle ou telle façade, on va choisir le guide qui correspond à telle ou telle typologie du bâti. Bien évidemment, puisqu'on ne colore pas, on n'intervient pas sur une façade du Moyen-Âge comme on intervient sur une façade du 19e. Et on n'intervient pas sur une façade modeste comme on intervient sur une façade haussmannienne. Tout simplement parce que la matérialité, les matériaux d'origine ne sont pas les mêmes.
Et donc, on va travailler sur des scénarios chromatiques, sur des palettes de couleurs qui sont différentes. Donc, là, du coup, je me permets de faire la légende de ce que vient de vous dire Xavier. Là, vous avez la palette pour les Toulousaines et le bâti courant. Donc, vous voyez, comme la palette est large, on a une industrialisation, on va dire, de la production de la brique. Et donc, on a une variété des colorations et des nuances beaucoup plus importantes. Maintenant, si je reviens sur l'époque médiévale, vous voyez qu'on est quand même beaucoup plus concis. On a moins de nuançage, et pour cause. Et enfin, là, on est sur la période haussmannienne, avec la naissance des briques beige rosé. Et donc, on retrouve cette expression très forte dans la palette. Du côté, juste une minute, hein, du côté des palettes ponctuelles, nous avons aussi dédié des couleurs d'éléments de détail qui sont différentes. Certaines se rejoignent, certaines se recoupent, hein, puisque l'idée de la palette, c'est qu'il y a une grande palette qui ensuite se distribue à l'intérieur des différentes typologies. Mais on a bien évidemment, en fonction des styles et des époques, le souhait de voir réapparaître des couleurs traditionnelles qu'on avait vu un peu disparaître, comme des rouges, par exemple, sur les éléments de détail, les volets, etc., qui n'étaient que peu présents, finalement, dans la ville de Toulouse, et qu'on a envie de voir réapparaître sur certaines typologies du bâti. Mais on va voir que, par exemple, sur les façades de type haussmannienne, on a plutôt une certaine sophistication, finalement, de la palette ponctuelle, et on n'a pas ce type de domaine chromatique en éléments de détail. Voilà. Donc ça, c'est une petite précision. On pourra en reparler un peu plus pour ceux qui voudront rester avec nous après. Donc... voilà le nuancier. Donc le nuancier, vous pouvez aussi l'acheter au Carme, mais c'est 60 euros pour chacun des deux nuanciers, puisqu'ils ont été édités en série très limitée. Mais si vous avez envie de rêver la couleur de Toulouse, mais vous pouvez aussi le faire. Et je pense que du coup, on est sur la fin de la présentation autour de ces palettes, de cette charte chromatique, avec voilà, quelques visuels de promenade dans la ville et... de modèle d'utilisation de la charte telle qu'elle a été utilisée, parce que ça fait déjà quelques années qu'elle est mise en place. 2013. Ouais, voilà. Ah oui, dis donc. Oui, ça ne nous rajeunit pas. Alors, pour conclure cette présentation, je laisse la parole à Vanessa, qui va vous faire rêver un peu, j'espère. J'espère. Vous avez tous reçu un petit échantillon du doux nom de Narcisse. Alors, on vous offre des fleurs ce matin. Mais quelle fleur ? Écoutez bien. Narcisse, de la famille des jaunes, mes cousins proches des blancs, deux saisons s'expriment en moi. Soit le soleil d'hiver réconfortant par jour de frimas, soit la fleur délicate au cœur du printemps. Si j'étais la lumière d'un paysage, je serais matinale, celle d'un estuaire qui émulsionne les écharpes brillantes des eaux douces de mer avec les bancs de sable. Je suis des matières premières, des crèmes et des pâtes qui se mangent, qui sont douces et tendres et se lissent de doigts. Je suis vanillée, mais plus tant exotique, car je suis devenue un code de la tradition plus que du voyage. Mais je peux être de ces blondeurs platines qui vous exilent en Suède ou à Hollywood. En matière de style, j'ai, paraît-il, un air rétro. Je suis brillante ou satinée. Je suis trop pure pour être déjà brunie, rarement cuite. Je suis aérienne ou compacte, lisse et souple, rarement rugueuse. Je suis l'enfance de l'âge, l'une des premières couleurs du vivant. Je suis candeur et pureté, et je me garde comme un secret fragile. Ma vitalité et mon éclat sont incomparables. À qui sait me contempler et bien me marier. C'était le portrait de Narcisse. Merci beaucoup.